Après plus de 40 jours de croissance sans relâche, le bambou a atteint le toit de la forêt. C'est la fin de la course. Une nouvelle vie peut savourer la brise de printemps. Le vent souffle à travers les bambous épais. Il apporte une odeur familière aux vilosités sensibles du papilio-bianor. Bien qu'il soit maintenant très faible, il étend ses ailes et s'envole aussitôt, aidé par le vent. Parmi des buissons, l'araignée a terminé sa toile. Elle reflète les rayons du soleil et brille comme les motifs sur les ailes du papillon. Le papillon mâle traverse maintenant le territoire de l'araignée. Celle-ci risque de passer à l'attaque à tout moment. Le papilio bianor continue de voler même dans les derniers jours de sa vie. L'odeur familière se fait de plus en plus grandissante.
Il a attendu 6 mois dans sa chrysalide. Puis il a volé durant 30 jours, avec une difficulté croissante, pour arriver à ce stade. Le nouveau bambou a survécu au vent et à la pluie. Ses fibres, plus puissantes, l'ont rendu plus flexible. Il est maintenant capable de tenir tête aux tempêtes les plus violentes. Les feuilles de bambou sont trop glissantes pour s'y poser, et la pluie ne fait que rendre ses ailes plus lourdes. Maintenant, de nouvelles vies sont en cours de formation dans le corps du papillon femelle. La source se change soudain en une rivière torrentielle qui atteint le bambou. Les bambous fermement enracinés au sol tiennent bon face aux inondations. Leurs racines absorbent l'eau. La pluie transforme le paysage de la vallée. Les macaques à face rouge de Chine sont moins actifs car ils essaient d'économiser de l'énergie.
Les deux papillons s'enlacent pour se réchauffer. Ils tentent de résister tant bien que mal à la pluie froide qui s'adoucit peu à peu. Le papillon mâle se cramponne au bambou, mais ses pattes avant ont perdu de leur force. Cela ne fait que 3 jours qu'il a rencontré le papillon femelle. Les bambous sous-développés sont évincés par la pluie. Après la pluie, le bambou géant Mozo apparaît plus en forme et plus grand que jamais dans la vallée Wuyi. Après la tempête, le papillon femelle pond ses œufs sur les feuilles de Xanthoxylum islantoïde. Et c'est ainsi qu'une nouvelle vie apparaît dans la forêt de bambous géants Mozo sous les rayons du soleil d'été. Au mois d'avril, les monts Qinling sont dominés par une masse d'air froid en provenance de la Mongolie. Dans les profondeurs de la forêt, les sapins annoncent les premiers signes du printemps.
Dek est un mâle adulte, âgé de 12 ans, de l'espèce du singe doré. À la tête d'une famille, il hurle pour manifester son statut de chef. Dek vit dans une vallée située à 2000 mètres d'altitude, sur le versant nord des monts Qinling. Les monts Qinling se situent dans les terres du milieu de la Chine, s'étirant d'est en ouest. Ils s'élèvent à plus de 1500 mètres et s'étendent sur plus de 800 km de long. Le massif est tel une barrière gigantesque qui sépare les courants atmosphériques du nord et du sud. Il crée ainsi une limite géographique naturelle divisant le nord du sud. Les ibis vivent dans la zone relativement basse des hautes terres. Sur le versant sud des monts Qinling, c'est la première zone à accueillir le printemps. Qui dit printemps dit saison des amours pour les animaux. Il commence à faire plus chaud. Les pandas géants vivant en solitaire sur la pente sud sont en chaleur. Les femelles pandas vont sécréter leurs hormones sur les arbres en se frottant. C'est leur façon de lancer le signal du début de la saison d'accouplement. Les pandas géants aiment vivre seuls. Il est donc extrêmement rare pour ces pandas de se trouver au même endroit. Et quand ils se rencontrent, c'est pour se battre pour une partenaire. La femelle se perche en hauteur et attend patiemment le résultat final de la bataille dont elle est l'enjeu principal. La lutte vient juste de finir et ce mâle a perdu. Lorsqu'on traverse la crête principale des monts Qinling, s'élevant à 2700 mètres, la vie sur la pente nord est totalement différente. Dès que le singe mâle et son groupe cherchent de la nourriture, le vent printanier n'est pas encore arrivé en ces lieux. Ici, la température est de 10 degrés inférieure à celle du versant sud. Les écorces de bouleau, de frêne, de manchouris et le peuplier constituent leur principale nourriture. Dek a 8 femmes, et sa favorite est une jeune femelle dénommée Yuan Yuan. Dek et Yuan Yuan sont les noms que les zoologues leur ont donnés au cours de leurs recherches scientifiques portant sur le long terme. Il y a 20 millions d'années, le mouvement exercé par la plaque indienne qui est venue percuter le continent asiatique est à l'origine du soulèvement de terre qui constituait une vaste mer. Il a créé ce qui devait devenir les monts Qinling. Plus bas, l'eau s'est concentrée pour créer des rivières et des lacs. Le massif de Qinling sépare le Yangtze du fleuve jaune. Il sert également de repère pour séparer les régions semi-tropicales des régions chaudes de Chine. Sur le versant sud des monts Qinling, le climat est chaud et humide, rentrant ainsi dans la catégorie du climat semi-tropical. Les bambous qui ont poussé sur les monts germent au printemps et les taquins se régalent de ce délicieux repas.
Les bambous Bashania farghesi qui poussent au pied du massif servent de nourriture aux pandas tout au long de l'année. Les pandas sont des herbivores, mais ils ont gardé l'estomac et l'appareil digestif des animaux carnivores. Leur appendice se détériore grandement avec comme seule nourriture le bambou qui possède une valeur nutritive très basse. Un panda géant, adulte, mange quotidiennement entre 50 et 70 kg de pousses de bambou, ce qui équivaut à la moitié de leur poids. Constitue la principale crête des monts Xinling, l'air froid règne sur le versant nord où vivent Tek, Yuan Yuan et les autres singes dorés. Les orages inattendus et la neige emportent rapidement sur leur passage la chaleur corporelle des singes dorés, faisant du mois d'avril la saison au plus haut taux de mortalité. Le ventre de Yuan Yuan est maintenant rond. Elle est enceinte depuis déjà 6 mois. Elle devrait bientôt accoucher. Un être vivant va naître. Il pourrait disparaître à n'importe quel moment. Le lendemain des chutes de neige, la forêt renoue avec le bruit et la vie. Les singes dorés et les monts Xinling appartiennent à la catégorie des singes au nez retroussé du Sichuan. Il y a 39 groupes similaires à celui-ci. Au total, on compte plus de 4000 singes dorés. En tant que chef du groupe, Dek ne quitte jamais du regard sa partenaire Yuan Yuan, perché sur un arbre. Ce matin, Yuan Yuan a donné naissance à son premier petit. Petit Yuan est un mâle. L'accouchement a épuisé Yuan Yuan. Trois mois plus tard, l'été chauffe les monts Xinling. Durant des millénaires, le vent, la pluie, la glace et la neige ont creusé la chaîne de montagnes en vallées interconnectées par des monts. La hauteur des montagnes et la densité de la forêt empêchent les humains de venir. Le paysage a donc gardé sa forme originale. Yuan Yuan cherche son petit en pleine croissance. Les poils foncés de petit Yuan vont progressivement devenir jaune clair.